Parvenir à se réveiller d'une façon naturelle est important. En effet, le réveil participe à la bonne qualité du sommeil, et donc à la bonne qualité de récupération dont votre corps a besoin. Le réveil, s'il n'intervient pas au bon moment, c'est-à-dire lorsque vous êtes encore en manque de sommeil, ou s'il est effectué d'une façon brutale, ce qui est généralement le cas avec une sonnerie ou de la musique, ce réveil va avoir une influence négative sur vous, sur votre forme, sur votre travail et sur vos occupations personnelles. Il faut donc de préférence parvenir à vous réveiller d'une façon naturelle. Pour cela, vous devez respecter votre cycle de sommeil. Concrètement, vous devez parvenir à vous coucher assez tôt par rapport à votre besoin de sommeil pour parvenir à vous lever sans réveil le matin pour l'heure pour laquelle vous devez normalement vous lever. Cela demande donc une certaine habitude. Par précaution, vous pouvez prévoir une alarme de sécurité ou un réveil de sécurité qui va sonner ou faire de la musique si vous ne vous réveillez pas. Lors de vos premières tentatives, vous allez avoir des échecs, mais peu à peu votre corps va s'habituer. Vous pouvez aussi avoir des échecs lorsque vous allez altérer votre cycle de sommeil, autrement dit lorsque vous allez vous coucher plus tard que d'habitude. Une autre possibilité consiste à avoir un réveil qui va se rapprocher le plus possible d'un réveil naturel. Et pour cela, il est généralement conseillé de faire l'acquisition d'un réveil qui simule l'aube. Ce réveil va donc simuler le lever du soleil. Il va faire apparaître une lumière de façon progressive, et votre corps va ainsi s'éveiller lui aussi progressivement et en douceur. Cette technologie permet donc d'obtenir un réveil moins stressant qu'avec une sonnerie ou avec de la musique.